Salut les touristes, donc nous voici jeudi 9 août et voilà, on est arrivé cette nuit, enfin cette nuit, il était bientôt 23 h. On a traversé des forêts, on a eu au moins 1 heure de forêt avec pas mal d'animaux sauvages sur les côtés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vous la mets tout de suite. Et donc c'était pas très rassurant, on roulait à 50-60 km/h. Et là nous sommes arrivés donc à une vidéo surprise comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Et voilà, je vous en dis pas plus, vous aurez les images tout de suite. Thank you.
Et donc juste derrière les arbres là, l'aire de camping-car. Donc toujours jeudi 9 août, on est actuellement à Super U du Lion d'Angers, donc c'est à côté de chez nous. On est parti de Chambord, j'ai même pas pu faire voler le drone tellement le temps était pourri, il y avait pas mal de pluie. Du coup, comme on passait à côté de chez eux, on a été voir quelqu'un dont je vous mets la photo tout de suite. Alors, vous avez reconnu qui c'est? Non? Toujours pas? Vous êtes sûr? Vous avez bien regardé la photo? Je vous la remets. Bon, je vous mets une petite vidéo, alors en indice, un deuxième petit indice. C'est ça, on dirait un YMCA. C'est quoi déjà YMCA? Toi, t'es pas mieux, toi. Ça. Dès que je renie ça. Ça non, vous ressoufflez par la bouche. Ouais. Moi, j'arrive pas à respirer par la bouche là-dedans. Fais comme ça. Elle respire par les genoux. Je sais pas, ça te fait penser à quoi? De quoi? Moi. Comme ça. Sérieusement? Ouais. Ah, pas grand-chose. Est-ce que je te fais penser à un. Zorro. Indiana Jones. Non, comment ça s'appelle? Un cow-boy? Non, pas du tout. Ou un cobaye? Plus un cobaye. Un cobaye. Ouais. Ouais. Et donc oui, il s'agit bien de la famille The Vadrouilleur Forever, auquel on a été rendre visite tout à l'heure. Voilà, juste prendre un café, prendre des nouvelles, et puis... Et d'ailleurs, on tient à les remercier pour leur petit cadeau de attrape-soleil qu'ils nous ont offert, qu'ils nous ont fabriqué spécialement pour nous. Donc voilà, en vous remerciant encore, les Vadrouilleurs. Du coup, maintenant, on reprend la route pour la Turballe, en bord de mer, juste pour le week-end. Voilà, histoire de se dépayser parce que actuellement là où on était à Vallon-Pont d'Arc, il est tombé des trombes d'eau et donc la rivière l'Ardèche a bien monté.
Alors nous sommes vendredi 10 août, nous voici à l'aire de La Turballe. Donc une petite aire un petit peu excentrée de la ville. Mais vous allez voir, il y a un chemin d'accès, on est direct à la plage. Tout de suite, je vais vous faire une vue de drone. Donc voilà, on arrive au bout du chemin et donc on a cette vue là. Donc là-bas c'est La Turballe. De l'autre côté là-bas, la ville qu'on voit, c'est le Croisic, avec juste la partie à gauche, c'est l'estuaire, donc ça s'appelle Pimbron, ça s'écrit P-E-N-B-R-O-N. Et là, c'est la plage d'Écunu, là-bas, tout au bout. Et donc là, voilà. Donc j'ai pris mon détecteur de métaux. Ces plages-là ne sont pas nettoyées au tracteur, donc on espère trouver quelques objets. Et maintenant, on va les mettre les pieds dans l'eau. Mais, je crois qu'elle est pas prête. Tu crois ? Ma femme, je crois qu'elle est prête. Il n'y en a pas beaucoup. Elle doit être tiède. Elle doit être tiède. Ouais. Bon bah, on va aller voir ça. Tout de suite.
Donc voilà, cette vidéo s'arrête ici. Donc surtout, bah, pensez à liker la vidéo, la partager, et puis bah, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis je vous dis au 13 octobre dans un live pour répondre à toutes vos questions sur nos vacances. Donc retenez cette date, le samedi 13 octobre à 18h, voilà, où je serai en live. Allez, à bientôt !